Il a vomi partout. Je crois qu'il n'est pas très très bien là. Oui, bah tu nettoies. Ah bon, tu penses? Moi qui voulais tout laisser en attendant que vous reveniez. Bon, si vraiment ça passe pas, tu prends rendez-vous chez le médecin. Il y a le numéro dans... Sur le frigo. Sur le frigo, je vais regarder. Et puis si je trouve pas, je vous rappelle. Oui, enfin maman, on est là pour faire un break. Un vrai break. Donc tu vas pas nous appeler toutes les 5 minutes. Oui, bah fallait pas me laisser un enfant qui gerbe partout aussi. T'es marrant toi. Bon allez, ça va bien se passer. On t'embrasse, bon nettoyage. Bisous. Bonnes vacances. Ça va, j'ai pas été trop dur? Non, t'as été très bien. Sinon, on peut peut-être rentrer. Ah non! On vient juste d'arriver. Je vais pas me retaper la route en sens inverse. Va prendre la chambre à l'hôtel et je rapporte les valises. C'est pas top, hein. Oh, y a un lit, c'est déjà ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Je comprends pas comment ils ont pu paumer la raisin. T'es sûr que t'as bien confirmé? Oui. Enfin, je crois. Avec tout ce que j'avais à gérer aussi. Oh, c'est pas grave. Au moins, ils nous ont trouvé une chambre. J'ai pas vraiment envie de dormir à la belle étoile. Et puis, qui sait, dans la semaine, ils nous trouveront peut-être mieux. Y a intérêt. Vu le prix qu'on paye, sinon je vais les défoncer sur Booking. On va se balader? Tu veux pas défaire les valises pour que ce soit fait? Non, je ferai ça après. Allez, viens. Rebonjour. Rebonjour. Vous venez d'arriver, c'est ça? Oui, à l'instant. C'est votre première fois? Dans la région, ouais. Mon mari? Oliver. Moi, c'est Christelle. Greta. Et voici Thomas. Mes amis m'appellent Tommy. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes ici pour combien de temps? Une semaine, normalement. Ah, génial! Oui, d'habitude, on va à la mer avec les enfants, mais cette année a été tellement difficile. On avait besoin de changement. Je comprends très bien. Et vous êtes de la région? Bah, on peut dire ça. On habitait en ville et puis il y a quelques mois, on a décidé de s'installer ici. Les parents de Tommy ont une villa et on l'a récupérée. Ah, vous pourrez nous donner des bonnes adresses? Avec plaisir, vous êtes descendu à quel hôtel? La Belle Étape. Ah, on a eu un problème avec la réservation. Ouais, on vous a enfilé une chambre bien pourrie. Mais la ville a l'air jolie, sinon. Oui, puis on en trouvera un autre. Le Gypsy a l'air sympa. Ah non, mais ça m'embête. Je voudrais pas que vous ayez une mauvaise image de la région. Ici. Écoutez, ça tombe bien. On a une grande villa. Et on est en train de se lancer en maison d'hôte. On était justement au village pour distribuer quelques flyers. Venez à la villa, vous êtes les bienvenus. Enfin, si vous acceptez d'être nos cobayes. C'est un peu plus loin, près de la frontière. C'est vraiment un endroit sympa, avec une belle piscine. Et puis, ça nous permettrait de vous faire découvrir plein de choses. Tommy fait des spécialités à tomber. Je sais pas trop. T'en penses quoi? Écoutez, pas de pression. Je vous donne mon numéro, vous y réfléchissez et on en reparle. Vous nous tenez au courant. Et puis, comme vous êtes les premiers, vous serez nos invités. Voilà, on vous laisse tranquille. On vous laisse vous balader. Bon, bah, merci. On vous tient au courant, du coup. On y compte bien.
Bon après-midi. Allez voir le petit lavoir, il est vraiment très joli. Merci. Le petit va mieux. Il vomit plus. Ah, tant mieux. Sinon, ta mère n'aurait jamais voulu le garder à nouveau. Ça va? T'as l'air contrarié. Je repensais à ce couple. De vrais bobos, surtout elle. Ah, oh, toi avec tes a priori. Ils ont l'air très sympas. Ça dit qu'on accepte leur proposition? Je pensais qu'on allait plutôt se retrouver tous les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Leur maison est très grande et en plus ils ont une piscine. Et puis c'est toi qui trouves cette chambre pourrie. Mais enfin, si c'est pour entendre parler de graines de quinoa et de trèques au Népal pendant une semaine, tu vois. Ah, qu'est-ce que tu peux être caricatural. Tu les as croisés 2 minutes et ça y est, tu les as catalogués. Je suis sûre qu'ils peuvent te surprendre. Justement, ça te gêne pas d'aller pendant une semaine chez des gens que t'as croisés à peine 2 minutes? Ce qui me gêne pas, c'est que c'est gratuit. Et en ce moment, ce serait pas du luxe. Si t'arrives à mettre ta fierté de côté. On fait comme tu veux. Et je veux. Je leur enverrai un message demain. On fait le maintenant? Non, pas maintenant. Maintenant, j'ai envie d'autre chose. Ah non, pas ce soir. Avec la route, je suis crevée, là. Bon, bah, je vais leur envoyer un message maintenant. Ah cool, ils acceptent de venir. Ah ouais? J'aurais pas dit. Bah moi non plus. Hein. Tu crois que j'ai bien fait de leur proposer? Ouais, évidemment. Et puis ça nous fera un bon test. Enfin, ils sont un peu étranges, enfin, surtout lui. Non, il a l'air gentil. Il est juste un peu farouche. Pas comme toi. Allez, on s'aide Gretel. Greta. Ah, très drôle. Ah, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ah, merci. Ça nous fait vraiment plaisir que vous ayez accepté d'entrer. On se fait la bise. Allez, on se fait la bise. Bonjour. Mais quel plaisir de vous avoir, nos premiers clients. C'est magnifique. Merci. Chérie, est-ce que tu peux les amener à leur chambre pour qu'ils puissent déposer leurs petites affaires? Puis on se prendra un petit apéritif pour faire connaissance. Ah oui, avec plaisir. Eh ben venez, c'est par là. Waouh! C'est superbe! Ah, vous direz ça à Greta, hein. C'est elle qui a fait la déco. Une vraie artiste. Je vous laisse vous poser 5 minutes et vous nous rejoignez sur la terrasse? Parfait, merci, à tout de suite! Oh, c'est sympa, hein? Très. Oh là là, c'est mieux que ta chambre d'hôtel, tu dois être content! Oui. Tu l'as mise dans quelle valise, la bouteille? Celle-ci. Ça va bien installé? Comme des princes, merci beaucoup. Et ce n'est que le début, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. Tenez, c'est pas grand-chose. Oh, mais fallait pas! Installez-vous, on va prendre un petit apéritif. Alors, pas pour moi, je bois pas trop le midi. Est-ce que vous auriez de l'eau, tout simplement? On est pareil, je vais nous chercher ça. On y va? Merci. 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 Santé. Santé. À la vôtre. Merci beaucoup de nous accueillir. Ça va les vacances? Ah oui, ça commence très bien.
Et vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans l'administration. Oh, c'est sérieux. Ennuyeux même. Et vous, Oliver ? Je suis commercial. Dans quel domaine ? Matériel informatique. Et vous, vous faisiez quoi avant d'ouvrir ce gîte ? Non, moi je suis kiné, dans le sport. Ah, c'est sympa ça. Et vous, Greta ? C'est une artiste. J'étais illustratrice, et je dessine encore à mes heures perdues. Je pourrais vous montrer mon atelier si vous voulez. Ben, on vous fera visiter la propriété. Ah oui, avec plaisir. Sommaire, mais c'est ici que je dessine. L'endroit isolé de la maison, propice à la concentration. Et vous dessinez quoi ? Un peu de tout, mais en ce moment surtout des nus. Tommy s'est prêté au jeu, mais ici je manque de modèles. Pourtant j'ai tout donné. Hein. Et ici aussi c'est Tommy ? Non. C'est Kiki, mon ami. Ça vous dirait de poser pour moi ? Non, je suis bien trop pudique pour ça. La pudeur n'est qu'une question de point de vue, et votre regard est tellement expressif. Je sais pas. Pensez-y. Et bien sûr, la piscine. C'est un peu le clou de la villa. Oliver, si vous voulez faire quelques longueurs pour vous entraîner, n'hésitez pas. C'est pas trop mon truc. Bienvenue au club. Christelle, si vous voulez aussi. Non merci, mais elle donne très envie. Mais on peut aussi venir pour s'y relaxer, se détendre, quand la chaleur devient trop forte. C'est déjà plus mon truc. Vous oublierez tout, vous verrez. En tout cas, c'est vraiment une villa extraordinaire. Et vous n'avez pas tout vu. Ah, si vous restez assez longtemps, on pourrait faire la rando jusqu'à la frontière. Ça vaut vraiment le coup. Non, merci. Un verre, ça me suffit, sinon après, je suis pompette. En tout cas, si on boit et on mange à chaque repas aussi bien que ce midi, j'en connais un qui est bon pour quelques longueurs, même si c'est pas ton truc. Encore faut-il que la piscine soit libre, puisque Tommy y passe tout son temps libre. J'évacue tes excès. Le vin m'apporte l'inspiration. La liberté est la première des sources d'inspiration. Qui t'a dit ça encore ? Un chaman lors de tes voyages ? Ils auraient beaucoup à t'apprendre. Vous voyagez souvent ? J'ai beaucoup voyagé avant. Quand je l'ai connu, c'était un grand baroudeur. Il avait les cheveux longs, de la barbe. Il a bien changé, n'est-ce pas ? Mais j'ai jamais osé des tatouages aussi sympas que ceux d'Oliver. Vous avez fait ça lors d'un voyage ? Non, c'est des histoires personnelles. Et quel pays vous avez visité, Tommy ? L'important, c'est pas les pays que j'ai visités, c'est les pays que je pourrais vous donner envie de visiter. Les voyages, avant tout, c'est des rencontres, des gens, des cultures différentes des nôtres. C'est ce qui fait que je me sens vivant. Et c'est l'occasion de sortir des cases, de tester de nouvelles choses. Ah, ça me tente. Mais j'y pense. Je pourrais vous tirer les cartes.
Ça pourrait vous donner des indications sur vos futurs voyages. C'est un mage qui m'a appris ça pendant un trek au Népal. Oliver ? Non, non, faites ça à Christelle. Bah, moi je suis tentée. Alors, vous allez me poser une question et on va tirer trois cartes. Une pour le passé, une pour le présent, une pour le futur. Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie ? Alors, le chariot, mais à l'envers, il représente un blocage, une impossibilité de voyager du fait d'influence dans votre vie. Couplé à la seconde carte, le pendu, ça représente l'attente, le fait d'être pieds et poings liés. Ah, la roue de la fortune. Heureusement, il va y avoir une influence extérieure qui va vous faire sortir de ce cycle, trouver un chemin, une nouvelle voie de développement. Eh ben dis donc. Oliva, toujours pas ? Oh allez Olive, c'est sympa, pose une question. Est-ce qu'on va passer de bonnes vacances ? La maison de Dieu. Il va se passer quelque chose de soudain, quelque chose qui va vous tomber dessus. Ah, l'amoureux. C'est une carte de dualité, de choix. On voit qu'il y a deux femmes sur la carte, une plus âgée, une plus jeune. La plus âgée représenterait peut-être un chemin tout tracé, et la jeune, une relation plus libre qui vous attend. Ah, le soleil. La carte de la masculinité, d'énergie qui rayonne. Mais je me pose des questions, peut-être une rencontre très forte. Super. Ah, merci Tommy, c'était sympa. Et vous, Greta, vous n'avez pas tenté ? Non, merci. Ah, j'ai déjà tiré les cartes à Greta plusieurs fois, mais elle a toujours refusé d'accepter ce que les cartes disaient. Ah, le battleur. Qu'est-ce que ça signifie ? Une personne égoïste, avec des relations superficielles qui changent tout le temps d'avis. Et ton mage, il t'a aussi appris à surveiller les plats qui sont en train de brûler ? Absolument. Tiens, je vais prendre un peu d'inspiration. Vraiment, vous avez des talents de décoration. J'adore ce que vous avez fait avec cette maison. Merci. Et vos dessins, ils sont magnifiques. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous hésitiez à poser pour moi. Je vais y réfléchir. En tout cas, ça sent bon, hein. Je me demande ce que Tommy mijote. Je vais aller faire un petit tour en cuisine. Pardon. Vous êtes toujours aussi silencieux ? Je parle quand j'ai quelque chose à dire. C'est un reproche ? Absolument pas. Ça vous dérange que j'ai proposé à Chris de poser pour moi ? Non. Pas du tout, elle fait ce qu'elle veut. Tout comme vous. Peut-être, oui. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Vous n'aimez pas perdre le contrôle, Oliver. Vous détestez ça. Pardon ? Vous avez comme habitude de tout décider, de tout contrôler, que tout passe par vous. Mais ce n'est pas le cas ici. C'est un reproche ? Non, absolument pas, au contraire. C'est pour vous dire qu'ici, vous pouvez laisser libre cours à vos envies. Vous lâchez. Laissez libre cours à vos désirs. C'est prêt. Va bien ? Oui. Et toi, ça va ? Oui, pourquoi ? Je sais pas. T'as pas beaucoup parlé au dîner ? Bah non, j'écoutais. Ils sont sympas, hein ? Tu vois, c'est pas des terribles bobos. Quoi ?
La femme qui dessine à ses heures perdues, qui a décoré la villa. On pourrait tous faire ça si on avait du temps et si on avait hérité d'une villa. T'en as du temps. Moi, je trouve ça très joli. Elle a beaucoup de goût. J'adore ce qu'elle fait. Les dessins, tu veux dire? Oui, entre autres. Le portrait de Tommy était superbe. Faut dire qu'il est beau gosse. Ouais. En tout cas, c'est vraiment beau ici. On est bien. Je suis vraiment bien. À toi ? Arrête, ils sont juste à côté. Oh mais non, c'est à l'autre bout de la maison. Oui, bah moi de les savoir pas loin, ça me bloque. Oh. T'es pas drôle. Je sais. Pourquoi tu leur as dit que t'étais commercial ? Et parce que je suis commercial, c'est mon métier, non ? T'aurais pu être honnête. Ils peuvent peut-être t'aider. Et bah apparemment, ça bloque pas tout le monde. Ah bonjour, ça va, bien dormi? Oui, et vous? Bon, vous tutoyez, non? Ok, oui, et toi? Bah comme un bébé. J'ai pas encore fini mes longueurs, mais... Va voir Greta, elle est dans l'atelier, elle va te faire un café. Ok, super. Finis bien? Allez, compte sur moi. Toi ? Pas trop. Je réfléchissais au prochain dessin. Mais ça t'a empêché de dormir ? Ce sera quoi ? C'est à toi de voir. Tu es tellement belle. Ça va ? Ça va. J'ai dit à ta femme de pas m'attendre pour le petit-déj. Le temps que je finisse, Greta va s'en occuper pour une fois. J'ai vu personne dans la cuisine. Non, elles doivent être dans l'atelier. Bah rejoins-les, le temps que je finisse, j'en ai pour 10 minutes.
Alors, quoi de prévu cet après-midi, les filles? On va continuer ce qu'on a commencé. C'est-à-dire? J'ai accepté de poser pour Greta ce matin. Ah, génial ça! Et vous avez bien avancé? On a fait une partie importante, mais on a encore beaucoup de boulot. Et vous, les garçons, quoi de prévu? Oula, je sais pas. J'aurais bien fait la randonnée pour passer de l'autre côté de la frontière et aller voir le point de vue, mais la météo est en train de tourner et je voudrais pas entraîner Oliver sur un terrain trop glissant. Bon, vous la ferez un autre jour? Oui, partez entre hommes. Et nous, ça nous permettra de peaufiner un peu le dessin. Et quand est-ce qu'on pourra le voir? Encore trop tôt pour le dire. Et surtout, c'est à Chris de décider si elle le partage ou pas. Oh non, c'est toi l'artiste. Je t'ai fait confiance. Excusez-moi. Ça va? Apparemment non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, dis-moi, depuis qu'on est arrivé, t'es tout bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux qu'on parte. Quoi? Mais on vient d'arriver. On s'en fout, on s'en va. Tu rigoles? Non mais ça se fait pas. Ils ont eu la gentillesse de nous inviter, on passe un super séjour. On ne part pas comme des voleurs. Non, tu passes un super séjour. Oui? Et qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? Bah tant mieux si ça te fait rire. Ça me fait pas rire, Christelle, pas du tout. Alors quoi? Alors on était là pour se retrouver tous les deux, tu te souviens? Oui, et alors? Et alors c'est pas le chemin que tu prends, je crois. Hein. Il faut qu'on s'en aille. On va trouver un hôtel sympa, on va se poser comme prévu, et on va oublier tout ce qui s'est passé ici. Oui, bien sûr, un hôtel sympa. Toi et tes goûts de luxe, il n'y a plus d'argent, Oliver. Arrête de faire comme s'il y en avait. Déjà, ces vacances, c'était pas une bonne idée. Quand on est au chômage, on fait attention. Tu me reproches de m'être fait virer? Peut-être que si tu avais eu un autre comportement, on n'en serait pas là. Il faut que tu changes, Oliver. Il faut que tu changes vraiment. Fais les valises, on s'en va. Écoute, j'en ai marre. C'est toujours toi qui décides de tout, tout le temps. Et tu crois que j'en ai pas marre de tout décider, moi, tout le temps? De tout porter à bout de bras? Alors arrête! Et qui va le faire si je le fais pas? Parce que tu crois que t'es indispensable? Déjà que tu l'étais pas pour ta boîte, apparemment. C'est ça, vas-y, remue le couteau. Écoute, on a déjà eu cette discussion 100 fois. Si je le décide pas, y'a rien qui avance. Jamais! Oui, on a déjà eu cette discussion 100 fois, Oliver. Mais cette fois-ci, j'ai la solution. Tu ne décideras plus pour moi. Ni ce que je dois faire, ni qui je dois voir, ni quand. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je reste ici. Thank you.
bien nous, on a bien mérité une petite récompense. On a bien avancé cet après-midi, c'est pas vrai Chris? Je crois, oui. Vous n'attendez pas Oliver? Il est où? Je sais pas. Je vais le chercher. Non, bouge pas. Occupe-toi du dîner. Je m'en occupe. Oliver, on prend l'apéritif avant le dîner. Tu nous rejoins? Non, merci. Tu avais quelque chose à me dire. Tu me le dirais? Ça tombe bien. J'ai rien à dire. On vous a entendu vous disputer tout à l'heure. Je me doute, on entend tout ici. Il ne faut pas en vouloir à Chris si... Stop! C'est entre elle et moi. Si je peux t'aider, si ça peut l'aider. Laisse-la en dehors de tout ça. C'est à elle de décider si elle veut rester en dehors de tout ça, non? Tu ne crois pas? Hey! Salut! T'es déjà debout? T'es déjà au sport? Alors là, tu m'épates. Ouais, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit que j'allais venir ici. Ah, t'as bien fait. Tu veux la place peut-être? Non, non, je t'en prie. De toute façon, j'allais faire une pause. T'as raison, faut fractionner. Pour laisser au corps le temps de récupérer.
si je peux me permettre. Vas-y. En fait, après une séance, tu devrais étirer tes épaules comme ça. C'est meilleur pour la colonne. Merci du conseil. On se prend un petit jus d'orange frais ? Tranquille, entre hommes. Les femmes dorment encore. Allez. Ah, ça te dirait qu'on fasse la petite rando dont je t'ai parlé ? Il y a la météo qui est parfaite. Ah oui, celle qui traverse la frontière. Exactement. Mais rassure-toi, avec moi, pas besoin de passeport. Ok, alors allons-y. Ça va, pas trop fatigué ? Au contraire, juste échauffé. Bon, de toute façon, c'est pas un marathon. C'est une petite balade sympa pour aller voir le point de vue de l'autre côté. Ok, ça me va. Ok. Le temps que je prépare le sac, alors. Faut que je prenne des choses ? Non, juste des chaussures et un petit pull, je m'occupe du reste. Tiens, conduis. Tu connais mieux le chemin. Ça me va. Hé, hey, déjà réveillé ? Vous allez où comme ça ? On va faire la petite rando, je pense pas que vous vouliez nous accompagner. On sera de retour ce soir. Passez une bonne journée. Ils sont partis. J'ai vu. Ils font cette randonnée. Ils en ont pour toute la journée. Tu es triste ? Non. Je suis... soulagée. C'est comme si j'avais un poids en moins. Moi aussi. Tu crois qu'on va pouvoir finir ce dessin ? Ah tiens, en fait, je peux te rendre la clé. Oh non, tu peux la garder, hein. Tu conduis mieux que moi. On se prend une petite bière ? Moi, je croyais que tu ne buvais pas d'alcool. Le vin, non. Mais la bière, c'est bon pour la récupération.
C'est sympa, hein. C'est vrai, ça t'a plu? Beaucoup. Ça m'a fait du bien de couper un peu. De couper avec nos femmes. Oui. J'en avais besoin. Je comprends. D'habitude, quand je fais mes randos, je les fais tout seul. Au début, c'était parce que Greta refusait de venir avec moi, mais... Au final, j'apprécie cette quiétude. Pour me ressourcer. Ça va? Je suis pas trop perturbé, cette quiétude? Non, t'inquiète. Avec toi, c'est différent. Ah, j'ai l'impression qu'on est un peu pareil, toi et moi. Peut-être. On est bien, là. Moi aussi, j'ai apprécié ta compagnie. Enfin, je veux dire, d'avoir fait cette randonnée avec toi. Bon, on en fera d'autres. Tu crois? Ah, ça tient qu'à nous. Je traverse une période difficile. Je me suis fait virer il y a quelques semaines. Et avec Chris, déjà, ça allait pas fort. Du coup, ça remet tout en question. Le boulot, la famille, il y a tout qui vole en éclats. J'imagine. Tu te poses des questions sur ta vie? Est-ce que c'est cette vie que tu voulais vraiment? Ce que tu veux au fond? Ce que tu es au fond? Tu te les as posées aussi? Ouais. Avant de venir, avec Greta, ça n'allait plus très bien. Avec la crise, on était toujours l'un sur l'autre, on s'étouffait. Après, on a toujours été libres. On a toujours tenu à notre liberté. Mais on avait besoin de changement, de nouveauté. Alors j'ai décidé de venir ici, et puis elle m'a suivi. Et ça marche? Quoi donc? La nouveauté, le changement. On dirait. Ça se rafraîchit. Hein. C'est vrai, t'as froid? Tu veux rentrer? Ah non, non, on est très bien là. Juste, je suis frileux, donc je vais aller me chercher un peu. Ah tiens, prends le mien. Moi, ça va. Merci. Ça va, il est pas trop petit? Moque-toi, va. Non, il est parfait. Bon, moi, je suis bien, là. On en prend une deuxième? C'est quand même bizarre qu'il soit pas rentré, non? Ça t'inquiète pas? Ils sont grands, ils sont deux. S'il y avait eu un problème, ils nous auraient appelés. T'as reçu un message? Non. Ah bah c'est que tout va bien. Tu veux pas appeler Oliver? Non. Mais si, je te jure, le mec il est sorti de la piscine comme ça quoi. Mais non. Si, 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 je te jure, j'avais jamais vu ça. Putain, t'as vu l'heure? Oui, j'avoue. Ok. J'avais pas vu le temps passer, on va y aller. Mais non, mais on a trop bu là, on va pas prendre le volant comme ça. Ouais, ça c'est de ma faute, je suis désolé, j'aurais jamais dû acheter autant de bière. Mais non, c'est moi, à chaque fois je t'ai encouragé pour en prendre une dernière. Ok, un point partout. Bon, on a qu'à dormir dans la voiture. J'ai pas fait ça depuis mes années étudiantes, mais ouais, ça me rappellera de bons souvenirs. Pas mieux. On va peut-être appeler les femmes quand même, avant qu'elles appellent les flics. Ouais. J'ai pas de réseau. T'en as toi? Ok, allez. Oh bah je sais pas si on pourra les... Si on pourra quoi? Les joindre. Les joindre?
Ah ouais, mais c'est pas si, on s'en fout, on verra bien. Chat, je peux pas te le passer. Il est parti en randonnée, il va rentrer trop tard. Oui, bah tu l'auras demain. Oui, promis. Ouais, bonne nuit, à toi aussi. Bisous mon petit cœur, à demain. Ils ne rentreront pas. Quoi? Je viens de recevoir un message d'Oliver, ils sont trop fatigués, ils restent sur place. Tu penses que c'est vrai? Qu'est-ce que tu veux que ça soit? Je sais pas, mais d'habitude, Tommy, il rentre tout le temps. Ça va, pas trop froid? Non, ça va. Bien dormi? Ouais, et toi? Ouais. J'ai pas envie de rentrer. Moi non plus. On n'est pas obligé. Tu veux qu'on arrête? Non. Enfin oui, désolée. J'ai la tête ailleurs, désolée. C'est pas grave, on continuera une prochaine fois. Ouais. Je vais faire quelques courses. Je vais te préparer un bon petit plat. T'as besoin de quelque chose? Bah une bonne bouteille pour accompagner ça. D'accord. De famille. Ma grand-mère l'a appris à ma mère et ma mère me l'a appris quand j'avais une dizaine d'années. Je la fais que dans les grandes occasions. Tu vas voir, c'est délicieux. Ça sent bon en tout cas. Oh oui, je suis sûre que t'as jamais mangé quelque chose comme ça. T'essaieras de reconnaître toutes les épices. À moi de te faire découvrir des choses. Ça a déjà commencé. Est-ce qu'un jour tu me parleras à ton ami Kiki? Que tu veux savoir? Ce qu'elle a été pour toi, ce qu'elle est peut-être toujours. Salut. Salut.
Ça va? Ça va et vous? On vous attendait plus haut. Ah, désolé. Le dîner est bientôt prêt. Mais je ne suis pas sûre qu'il en restera pour vous. Si, si, ça va. Ah, c'est pas grave, sinon on décongèle un truc vite fait. Non, non, j'avais prévu que vous rentriez. Ok. Est-ce qu'on a le temps de prendre une petite douche? On a été dehors toute la journée, il faisait pas si chaud. Là, ça va être trop cuit. C'est bon, vous prendrez votre douche après. Le père va vous réchauffer. C'était très bon, Chris. Merci. Quelqu'un en veut du vin? Ouais, j'en reprends un peu, je crois. C'est la recette de ta mère? Oui. Grande occasion. Je vais en reprendre aussi. C'est vrai qu'il est excellent. Un peu fort, mais ça passe. Je suis fatiguée. Excusez-moi, mais... je vais débarrasser et je vais me coucher directement. Non, laisse, on va le faire. Merci. Ah, t'as cuisiné un super plat, c'est normal qu'on fasse la vaisselle. Elle est super bonne. Ça fait du bien. Ça réchauffe. Je sens tous mes muscles qui se détendent. Merci vraiment pour ces deux jours. On a vraiment passé de bons moments. Quoi? T'es bien bavard. Mais non. C'est toi qui l'es pas. Ça te plaît pas? Mais si, je te taquine. Moi aussi, j'ai vraiment passé de bons moments. Ça nous fera de beaux souvenirs. Ah ouais? Est-ce que pour toi, c'est ça, des beaux souvenirs? Je sais pas, je pense, ouais. Alors, je vais te poser la question différemment. Sincèrement, ce qu'on vient de vivre là, tu penses pas plutôt que c'était le début de quelque chose? Je sais pas. Je peux pas trop prendre du recul en ce moment. Si tu me poses la question, non, je... je peux pas vraiment analyser ça en ce moment. Je crois que... je crois que tu te poses trop de questions, Oliver. Beaux hypocrites. Alors c'est ça que vous faisiez depuis deux jours? Alors qu'on s'inquiétait comme deux idiotes? Arrête ton jeu, Greta. Quel jeu? Ta vierge effarouchée. Tu crois que je te voyais pas tourner autour de Chris depuis le début? Tu crois que je vous ai pas vu vous embrasser dans l'atelier? Mais tu as mal interprété, ce n'était que de la proximité entre artistes. Mais arrête, Greta, sois honnête. Parce que toi t'es honnête peut-être? T'as bien caché ton jeu. Okay.
putain, en 3 jours, j'ai fait un travail sur moi que j'ai pas réussi à faire en 30 ans. Et ça a réveillé des choses que j'avais enfouies. Ah oui? Et qu'est-ce que t'as enfoui? Que tu veux te taper mon mec? Arrête, Greta, arrête, s'il te plaît. Je sais pas ce qu'il y a entre Chris et toi, mais ça se respecte. Et ça vaut absolument pas la peine d'être sali. Mais ce que je sais, et ça tu ne pourras pas le salir, c'est ce que je ressens pour Tommy. Qu'est-ce que tu ressens pour Tommy? J'ai pas les mots. Mais je l'ai jamais ressenti. Et ça m'a fait du bien. Viens, on va se coucher. Je pense que t'as besoin d'être seul. Non, attends. Ce que t'as dit tout à l'heure, là, sur ce que tu ressens, tu le pensais vraiment? Évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il semble qu'une limite a été atteinte, même dépassée. Il serait peut-être temps d'arrêter ce petit jeu. Mais moi j'ai pas envie d'arrêter. Thomas! C'est plus un jeu, Greta. Je n'ai jamais vu Tommy aussi sûr de lui. Pareil pour Oliver. Ça te rend triste? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je crois qu'il faut qu'on finisse ce qu'on a commencé. Thank you.
Champagne pour tout le monde? Oui, oui. Allez. Puis on a quelque chose à fêter ce soir. Ah oui? Quoi? Le dessin est terminé. Ah, enfin. Et on va pouvoir le voir? C'est à Chris de décider si elle veut le montrer. Évidemment, je vais le chercher. Tenez. Merci. Merci. Et voilà! Wow! Elle est superbe! Qu'est-ce que tu en penses, Oliver? Elle est magnifique. Merci. C'est vrai que tu es magnifique. C'est toi qui m'as rendu belle. Bon, on troque? Alors, à ce superbe dessin. À vous. À nous. Hé, à ma fin! Attention, chaud devant. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Une bonne soupe de pays. Des carottes, des poireaux, des pommes de terre et une bonne tranche de lard pour donner du goût. Et un petit peu de crème fraîche, mais je... Une soupe seulement? Tu nous avais habitués à mieux, monsieur le cuistot. Ouais, je suis désolée, j'ai pas eu trop le temps de cuisiner aujourd'hui. Non, c'est pas grave, je suis sûre que c'est très bon. Et puis si vous avez toujours faim, il restera le dessert. Qu'est-ce que c'est? Surprise. C'est très bon. Ça va. Normalement, tu fais mieux, mais j'aurais été incapable d'en faire autant. C'est vrai que tu cuisines pas beaucoup. Je me consacre à la nourriture spirituelle. Et continue comme ça. Parce que le jour où Greta commence à faire à manger, il va y avoir des morts tellement elle a pas de goût. Arrête. Elle vous a jamais raconté l'histoire quand elle était petite? Tais-toi. En fait, elle était pas assez grande pour atteindre les cookies qui étaient dans le placard, du coup elle demandait toujours à son frère de lui apporter. Un jour, elle a osé manger des biscuits pour chien, et là, elle s'est rendue compte que ça avait le même goût. En fait, depuis le début, son frère lui donnait des biscuits pour chien, elle s'en était même pas rendu compte. Je t'avais dit de te taire. Tu ne vas pas gâcher ta soupe avec des histoires de mouf pour chien. Et toi, tu trouves ça bon? C'était mieux que bon. C'était exquis. Je suis désolée, je peux pas. Tu peux pas quoi? Je peux pas continuer tout ça. Ça me fait bizarre de vous voir tous les deux. On arrête tout, Olive. Mais c'est pas ce que tu disais ce matin. J'ai essayé, j'ai cru pouvoir. On peut tester le jeu. Mais en fait, c'est pas ce que je veux. Je sais pas, je suis perdue. On rentre à la maison, on oublie tout. Je suis pas sûr de le vouloir. Je vois. Je reconnais que mon comportement a pu changer depuis que j'ai... depuis qu'on les a rencontrés. Greta a eu de l'influence sur moi. C'est vrai. Et Tommy aussi a eu de l'influence sur toi. C'est une belle personne. Ouais. C'est une belle personne. Toi aussi, t'es une belle personne. Non, il est bien meilleur que moi. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il aurait jamais menti comme je le fais depuis si longtemps. J'ai accepté de protéger. De me protéger. Protéger nos vies pour pas qu'elles changent.
les choses doivent changer. Elles ne peuvent plus ne pas changer. Et... est-ce que... ce serait vraiment si terrible si elle devait changer? Tu sais... c'est un vrai dilemme. Le regard des gens. La vie sociale. Les enfants, la famille, les amis. Partir? Oui, je me suis posé souvent la question. Mais c'était comme une évidence. Mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Tu sais, les enfants, ce qui compte pour eux, c'est d'avoir des parents... épanoui, heureux. Alors, si c'est ça le plus important pour toi, alors vas-y. T'es sans doute la plus belle personne entre nous. Je serai toujours là pour toi. Hey, salut! Salut! Salut Tommy! Salut! Hey, salut les filles! Vous avez fait bon voyage? Entrez! Un peu long. Surtout avec le détour pour prendre Chris. Mais on est ici pour se reposer. On est vraiment contents que vous soyez là. On va prendre un petit apéro sur la terrasse? Ok, super! Avec plaisir! Dis donc, tu cuisines toi maintenant? Tout change. Tant que j'y pense, la grande a sa compétition de judo la semaine du 15. Est-ce que tu peux être dispo? Ouais, bien sûr, je vais faire en sorte. Super. Je trouve que ça va lui faire super plaisir. Alors, la semaine du 15, je serai au Japon. C'est en vacances? Félicitations. Non, j'expose mes dessins. Oh, ok. Super, bravo. Je suis contente pour toi. C'est Kiki qui s'est démené pour moi. Ah, mais oui, bah alors. Est-ce que tu peux ouvrir ça? Mais bien sûr. Alors, attends, bah je te la redonne. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ouvre toujours les bouteilles. Exactement, voilà, tu es la spécialiste là-dessus, moi j'ai toujours autant de mal avec ça. C'est magnifique ici, j'avais oublié. Oh là là, c'est bien. On a changé quelques petites choses aussi à la maison, donc c'est bon. Ouais, bon, on va visiter. Et d'abord l'apéro, c'est à chaque chose en son. Comment vont les petits alors? Bon, écoute, super, on va faire Tommy, c'est encore. Bien, les petits, parce que la maîtresse...